Excuse-moi Gilbert, mais la question, elle est super fermée, quoi. Ouais. Le vestiaire a-t-il toujours raison ? Évidemment, la réponse est forcément non. La question qui est un peu plus ouverte et qui serait un peu plus démocratique, c'est est-ce qu'il faut écouter le vestiaire ? Est-ce que le vestiaire a une parole intéressante à dire ? Parce que toujours raison, évidemment non. C'est un peu avant, alors les gars, là. Que si... non. Pardon ? C'est un peu avant le débat, alors, pas la gagner, les gars. Mais le but du jeu, c'est aussi de poser des questions qui font réagir. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi cette question-là ce matin. Sur le sujet, sur ce qui s'est passé à Ajaccio, c'est quelque chose qui toi qui a été coach. Ça devient de plus en plus, on a de plus en plus l'impression que les joueurs commandent, que le pouvoir a été pris par les joueurs. C'est-à-dire que les dirigeants, oui, ça me gêne. Bah, évidemment que ça me gêne. Pourquoi ? Parce qu'un entraîneur, c'est quand même quelqu'un qui a les capacités, qui a les moyens de pouvoir mener à bien une mission, un objectif qui lui est donné. Ensuite, bah, évidemment, dans le management, tu as 25-30 mecs. T'as les 11 qui jouent, puis t'as ceux qui ne jouent pas. Et ceux qui ne jouent pas sont censés se révolter, ne pas être contents. Et puis, ces fameux dirigeants, la plupart d'entre eux, ils ont cette habitude, c'est d'ouvrir les portes, de leur ouvrir les portes. Et ça ne se passe pas ailleurs, ça ne se passe qu'en France. Parce qu'au Real de Madrid, avec les performances de Mourinho, si les joueurs auraient déjà aimé ou ils auraient en parlé à Florentino, ils l'auraient déjà certainement sorti. Bon, ils ne l'ont pas parce que... Ils ont essayé, hein. Non, ils l'ont pas essayé. Ça a été chaud. En Espagne, c'est une autre culture, ça aussi. Tu sais, c'est différent. Ce ne sont pas un jour. Problème avec Sergio Ramos, Corta, avec Casillas. Rafael Corta un jour. Restons sur notre Liga. Mais c'est pour expliquer. C'est parce que tu me dis de la France. Moi, je te prends un exemple. C'est celui de l'Espagne. L'ami d'Eric. Ce ne sont pas des joueurs. Toi qui as été dans les vestiaires, évidemment. Le problème, c'est que c'est inévitable, quoi. C'est inévitable parce que malgré tout, tu sais, quand tu as un entraîneur qui convient pas au groupe, des fois, tu as un entraîneur qui arrive et qui met en place une équipe ou qui met en place des séances d'entraînement qui ne conviennent pas aux joueurs et les joueurs se sentent pas bien dans ce système-là. Ils en parlent au président. Après, le président décide. Tu sais, quand un entraîneur a perdu le vestiaire, je vois pas comment il peut continuer à bosser, quoi qu'il arrive. Donc, le président est obligé à un moment donné, il le sent, ça. Il parle avec les joueurs. Est-ce qu'il regrette bien? Serge. Ce qui est regrettable d'entendre ta bouche, Eric. Je voudrais donner mon avis. Excuse-moi. Ce qui est regrettable d'entendre de la bouche d'Eric, c'est que les joueurs en parlent au président. Moi, je t'explique. Donner mon avis, donner peut-être une passerelle entre les deux. Parce que ce qu'a dit Louis est vrai et ce qu'a dit Eric est vrai. C'est-à-dire que dans la mission de l'entraîneur, tu as dit, l'entraîneur est quelqu'un qui a une mission et qui est capable de l'amener au bout. Et dans cette mission-là, c'est évidemment d'amener le groupe. Ça fait partie des contingences de la mission de l'entraîneur. À partir du moment où l'entraîneur n'arrive pas à fédérer son groupe, n'arrive pas à faire adhérer son groupe au projet, au point de la rupture, il faillit dans sa mission. Et si ça fait partie de sa mission, Louis, tu l'as dit. Et si le groupe n'adhère plus, s'il s'est passé X chose ou je ne sais pas quoi, et qui fait que le groupe se détache de l'entraîneur, il faillit à sa mission. Je vais te donner un exemple. C'est pas du vécu parce que moi, je faisais pas partie des stars à l'OM, donc le président me demandait pas mon avis à moi. Le président de Marseille. Bernard Tapie. Ok, non, mais c'est pour ça. Il faut que tu me donnes le nom du président. Peut-être qu'à l'époque tu t'intéressais pas au football. Qui se mêle et qui rentre. Allez, on écoute Eric. Mais simplement, quand le président sentait qu'il y avait problème. Ouais. Voilà, sur le terrain, ça se voit, une équipe qui marche mal, ça se voit. Ouais. Il allait voir les cadres, je sais, il passait les coups de fil, alors aux cadres, à l'époque, on les connaît. Et il essayait de savoir pourquoi ça allait mal. Alors des fois, c'était un problème physique, un problème tactique, et des fois, ça passait plus avec l'entraîneur. Ça ne passait plus. Et qu'est-ce qu'il faisait alors, C'est arrivé une fois que l'entraîneur s'est fait virer parce que ça allait pas avec le groupe. Tu vas me dire parce que les joueurs sont pas d'accord, ses entraînements, sa façon de parler, de communiquer, de nous entraîner, ça nous déplaît. On n'est pas d'accord parce qu'on fait pas ce qu'on aimerait faire. Tu vois, c'est les joueurs. Surtout parce qu'on perd. Ça fait combien de temps qu'il est entraîneur, monsieur Arsène Wenger, à Arsenal? Ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps que monsieur Ferguson est entraîneur à Manchester United? Ça fait combien de temps que celui d'Everton est entraîneur? C'est tout simplement sur ses années de carrière d'entraîneur. Il y en a certainement qui n'étaient peut-être pas d'accord avec leur méthode, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et c'est l'entraîneur, celui de Manchester United. Non, mais si j'ai compris ce que tu voulais dire.
Bah non, est-ce qu'on peut servir une... Il est tout rouge. Il est tout rouge. Je m'entraîne pas, mais parce que monsieur là, il ne fait pas faire ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aimerais toucher le ballon, il fait faire 10 fois 100 mètres. Mais tu n'as pas compris, Louis. Est-ce qu'on peut servir une petite verveine, Louis? Le mal du football français, il est là. Tu n'as pas compris. Quand on ouvre les portes à ces messieurs, quand on leur laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, tu n'obtiens pas des résultats. Le problème, c'est que c'est le jeu qui est en train de se... Ce qui nous intéresse maintenant, Louis. Ce qu'il faut ici, c'est vous comprendre à vous. Ce qui nous intéresse maintenant, Louis, messieurs les footballeurs. Ce qui nous intéresse maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui nous intéresse maintenant. C'est toi qui coupes tout le monde, Louis.